Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Fall, le commandant Toumba vous a sauvé la vie et vous a sorti de la fournaise, comme vous l'avez déclaré vous-même. C'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous confirmez qu'au moment où il vous sortait de la fournaise, il y avait d'autres Guinéens qui tombaient par centaines? Je n'en doute pas. Dans les mêmes circonstances? On a vu les militaires tirer sur eux. On a vu la panique à l'intérieur du stade. On a assisté à un mouvement de panique générale dans le stade. D'accord. Dans un stade où les manifestants étaient à main nue, oui ou non? Absolument. Très bien. Les manifestants étaient à main nue. Ils n'avaient avec eux que leur foi en le changement en Guinée. D'accord. Pourquoi il s'est préoccupé de vous, pas des autres Guinéens aujourd'hui qui sont morts malheureusement et qui sont blessés? Je crois que la question n'est pas pour moi, la question est pour Toumba. C'est oui. Toumba qui doit savoir pourquoi il est venu vers nous. D'accord. Je crois. Peut-être c'était pour qu'aujourd'hui il reçoive des fleurs, des félicitations. Pardon? Je dis peut-être c'était pour qu'il reçoive aujourd'hui des fleurs. Ben, je ne peux pas aller dans votre sens, je ne sais pas. Mais à l'époque, comment pouvait-il imaginer avoir des fleurs aujourd'hui quand le pouvoir était entre les mains du CNDD, c'est eux qui étaient au commandement? Est-ce qu'il pouvait imaginer à cette époque-là, d'ailleurs, qu'il y ait eu le changement, qu'un jour, un des nôtres de Force Vive aurait pu être à la tête? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est votre commentaire, maître. Monsieur le Premier ministre, du fait de M. Toumba, de ses agissements, nous avons nos clients qui sont en prison. Je ne cite personne, mais qui souffrent. Peut-être qu'ils seront libérés après la décision judiciaire. Mais dans vos propres déclarations consignées dans le dossier, un contingent est arrivé à la tête duquel se trouvait Toumba, le commandant Toumba. Vous le maintenez? Oui, j'ai vu les militaires rentrer, je l'ai dit quand je me suis exprimé. J'ai vu des militaires rentrer et j'ai vu Toumba parmi eux. Bien. Ça, c'est constant. Qui était leur chef? On ne pouvait pas savoir qui était le chef quand c'est une horde de soldats qui est rentrée pour... Qui donnait des instructions? Je ne sais pas. Qui était le plus fort? On ne pouvait pas le savoir. Qui vous a sauvé? Sauvé? Qui a empêché vos assaillants de vous attaquer? Mais c'est Toumba qui nous a sauvés. Ah, donc c'était le plus fort. C'était le plus fort sur les lieux. En tout cas, ce qui est évident, ce que je peux dire, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Je ne sais pas qui était le chef là-bas, mais c'est Toumba qui nous a sauvés, qui nous a sortis du stade. Monsieur le ministre, quand on sauve 5 personnes et il y a 150 morts, quelle impression peut-on avoir? Moi, franchement, je ne voudrais pas parler à la place du tribunal. Le président est une personnalité qui est très patiente et qui suit de très près depuis 6 mois, le déroulement de ce procès qui est suivi par le monde entier. Et ce que je peux dire, c'est que Toumba nous a sauvés. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. C'est le procès des morts et des vivants. Mais Toumba, à la barre, a dit qu'il était venu pour sauver les leaders. Je l'ai écouté. Et des années après le drame du 28 septembre, franchement, je commence à croire à ce qu'il a dit, ce que j'ai vu sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vous-même, déclaré ici, qu'il y a des victimes qui n'ont pas voulu se faire voir, se dévoiler. Il y en a beaucoup et vous comprendrez, maître, pourquoi. Voilà. Vous savez, ce jour-là, c'était une journée très particulière. Et dans vos... C'était le jour J, le plus long jour de notre histoire ici. D'accord. Dans un enclos fermé. Ouais. Imaginez, ouais, un enclos fermé, ouais, des portails tenus par des militaires,
le stade rempli de gaz lacrymogène, des militaires qui tuent avec des fusils, avec des machettes, et des femmes qui sont violées, des mères de famille. Beaucoup ont préféré vivre leur traumatisme et porter leur deuil du traumatisme pendant, et qui continuent à le faire. Et elles n'ont pas voulu, et je respecte leur silence. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le commandant du salon, le commandant du régiment de la garde présidentielle peut venir dans un stade pour maintenir l'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? Mais vous savez, moi je ne connais pas le commandant du salon, je ne connais pas le commandant de la Légion, vous avez dit. Nous, on voyait Toumba comme aide de camp du président du CNDD. D'accord. C'est comme ça qu'on le voyait. D'accord. C'est ce que nous savions de lui. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'un aide du camp peut venir dans un stade pour sauver la manifestation ou sauver les leaders dans tout état civilisé? Non, je ne suis pas dans cette logique. C'est Toumba qui l'a dit. C'est lui qui a dit devant le tribunal que lui est venu pour sauver les leaders politiques. Mais nous, quand nous avons vu Toumba, en toute franchise, moi j'ai pensé que Toumba est venu pour nous arrêter, parce que quand vous voyez Toumba, ce que Toumba représentait pour nous, c'était vraiment le CNDD. Voir Toumba, c'est voir son patron. Et donc, Toumba pour nous, quand moi je l'ai vu rentrer, il était venu pour nous arrêter. Et même quand nous sommes sortis avec lui du stade, j'étais convaincu que Toumba est venu pour nous arrêter. Et quand il nous a mis dans son véhicule, j'étais convaincu qu'il nous amenait au camp, au Calfaya. C'est quand il nous amène à la clinique et qu'il s'est opposé à Marcel, à la clinique, et aussi dans la voiture, la compassion qu'il a eue pour nous dans la voiture en nous donnant de l'eau, en nous donnant des Kleenex et en nous protégeant à la clinique contre la grenade et en nous ramenant à la gendarmerie. C'est en ce moment que j'ai changé d'avis vis-à-vis de Toumba. Et moi, je ne sais pas quels sont les dessous. Et la question que je me pose toujours, c'est pourquoi Toumba était au stade? Ça, je ne sais pas. C'est lui seul qui peut vous répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur le Premier ministre, vous avez été au sommet de l'État. Quand vous avez vu le contingent rentré à la tête duquel se trouvait le commandant Toumba, vous l'avez dit il y a une minute dans votre esprit. Votre prédécesseur aussi l'avait dit, c'était pour venir vous arrêter, oui ou non? Oui, je l'ai pensé. Voilà. Donc, le commandant de la garde présidentielle qui laisse le président ailleurs, qui se déplace pour venir dans un stade où il y a une ambiance, était venu pour vous arrêter. C'était pour vous arrêter et quitter. Il ne pouvait pas y avoir de mort d'homme alors, s'il était venu pour vous arrêter. Ou non? Donc, je dis encore une fois que je ne connaissais pas d'autre grade de Toumba que aide de camp du président du CNDD. Jusqu'à ce procès. Pour moi, Toumba était l'aide de camp du président du CNDD. C'est tout. C'est tout ce que nous savions de lui, ce que moi je savais de lui. D'accord. Le reste, les titres, garde présidentielle et autres, je n'en savais rien. Au contraire, je pensais plutôt que c'était le colonel Pivi qui était le patron de la garde présidentielle, puis qui s'occupait de la sécurité présidentielle. Monsieur le Premier ministre, même au pire des cas, s'il était question de vous arrêter, vous ne pensez pas que la police et la gendarmerie auraient pu jouer ce rôle tranquillement? Mais je l'ai dit dans mon exposé, maître, j'ai dit que je crois qu'ils ont eu la main trop lourde ce jour-là. Voilà. Dès lors que nous étions au stade, voilà, raisonnablement, oui, ce gouvernement aurait pu attendre qu'on termine notre meeting. C'est important. Puisque le meeting était déjà là. Et après, nous interpeller. Qu'est-ce qui les empêchait de faire? Mais ils ont choisi la manière forte, la répression. C'est le choix. Qui a choisi la manière forte? Ceux qui ont envoyé les soldats. Qui vous avez vu au stade? Les militaires. À la tête se trouvait qui? Maître, j'ai vu Toumba parmi eux. Merci. Bon, je vais vous donner l'avis d'une autre partie civile qui était présente au stade. Oui. S'il vous plaît. Oui. Il s'appelle Suleiman Ba, 1034.
Il déclare. J'ai vu des agents venir vers moi. À la tête de ces agents, il y avait Abubakar Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit, regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez la pelouse. Il n'y a que des morts et des blessés. Regardez sur le gradin. Il y a des morts et des blessés. En disant c'est grave, c'est très grave. Ce que vous faites, et je disais auprès de Toumba, que je disais auprès de Toumba qui croisait les bras. Et ses agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents, occupez-vous de lui. Alors, ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Et j'ai réagi. Et j'ai persisté. Toumba lui a dit rends mes téléphones. Et il les a rendus. Au moment où je mettais mes téléphones dans ma poche, un second agent m'a donné un coup sec de crosse au milieu de ma tête. Je me suis effondré. Alors tous sont venus et me tapaient sur moi, sur mon corps. Sur mon corps et je suis tombé en inconscience. Ils m'ont laissé croyant que j'étais mort au milieu des cadavres. Ça, c'est un militant que vous avez conduit au stade et qui parle des agissements de Toumba. Que répondez-vous? Non, je n'ai pas de commentaire particulier sur cela. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous savez, maître, moi, j'ai vu des assaillants. Au stade, quel intérêt aurions-nous pour dire qu'un assaillant a été bon? Les gens qui sont venus au stade, quel intérêt on avait? Moi, je ne l'ai pas vu tuer quelqu'un. Je ne l'ai pas vu avec une arme. Je ne l'ai même pas vu avec un gourdin. Ce que j'ai vu, il est venu, il nous a sortis du stade, il nous a conduits à la clinique, il nous a déposés à la gendarmerie et pendant qu'il nous transportait, il a eu beaucoup de compassion pour nous. Il n'a pas échangé avec nous, à l'exception de la seule réponse qu'il a donnée à Sidia Touré quand Sidia lui a demandé s'il était docteur. Il a dit oui, qu'il est médecin. On n'a pas échangé avec lui. Il nous a donné de l'eau. C'est tout ce que je retiens de Toumba. Ceux qui étaient au stade, chacun a sa version. Bon, nous n'étions plus là. Je ne sais pas si quand il nous a déposé, il est reparti au stade ou non. Ça, je ne peux pas le dire non plus. Mais le temps que nous, on a été au stade, ce temps-là, jusqu'à la clinique, jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai expliqué au tribunal. Le tribunal appréciera. Vous avez parlé de fosse commune dans votre déposition. Je dois aussi souligner qu'il y a eu de nombreux et même des fosses communes qui ont été préparées. Nuitamment, lorsque les autorités ont compris que la communauté internationale s'était saisie du problème. Je ne connais pas les lieux de ces fosses communes, mais certains disent qu'ils seraient au camp Alpha Yaya et à l'aviation militaire. Monsieur le Premier ministre, après les événements, vous êtes devenu membre du gouvernement, non? Oui, tout à fait. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Vous avez cherché à vérifier cette information pour aujourd'hui que le peuple soit édifié? Le dossier du 28 septembre, j'ai été dans le gouvernement qui est venu après, j'ai été secrétaire général à la présidence. Ah.
J'ai été ministre des Affaires étrangères. Sur ces 5 ans, j'ai fait le premier mandat du président Alpha. Mais je crois que je ne partageais pas la position du gouvernement sur l'affaire du 28 septembre. Parce qu'entre-temps, moi, je faisais des déclarations sur le 28 septembre. Moi, je faisais des publications sur le 28 septembre. J'ai toujours réclamé la justice pour le 28 septembre. Je n'ai pas varié. Mais je n'avais pas la charge de faire des enquêtes. Il appartenait au ministre de la Justice et autres, et à l'autorité d'ordonner. Mais dès lors que, dès après l'élection, comme je l'ai dit dans mon introduction, je l'ai dit qu'au titre de la complémentarité, le gouvernement avait demandé que le massacre du 28 septembre soit jugé par une juridiction nationale et la Cour pénale internationale lui en a donné pleinement droit. Donc, il appartenait au gouvernement d'organiser le procès et moi, je n'étais pas ministre de la Justice, il ne m'appartenait pas donc de rentrer dans ces détails. Mais la différence, tout le monde le sait, en Guinée, je n'ai jamais arrêté de parler du massacre du 28 septembre, jamais. Je l'ai toujours fait, j'en ai toujours parlé. Ah. Je n'oublierai jamais le souvenir de cette journée. Je n'oublierai jamais ce que les femmes ont enduré ce jour-là. Je n'oublierai pas les jeunes qui sont morts là-bas, qui n'ont rien fait, qui aspiraient seulement à la liberté, au changement, et on les a massacrés. Jamais je n'oublierai. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais tué. Tous mes interlocuteurs, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, tout le monde sait que j'ai toujours parlé du 28 septembre. Mais je n'étais pas en charge de la justice. Et dès lors que le gouvernement avait décidé qu'il allait créer cette juridiction nationale, il appartenait maintenant au ministre de la Justice de prendre le devant. Malheureusement, ça a pris 13 ans. Et vous savez comment ça s'est passé. Voilà. Il a fallu attendre le changement du 5 septembre pour que le nouveau gouvernement, les nouvelles autorités aient le courage de rouvrir ce dossier rapidement et de mettre en place une juridiction nationale compétente que j'ai devant moi, que j'apprécie, pour juger de cette affaire. C'est la première fois en Guinée de voir cette pléiade d'avocats. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Il y a eu beaucoup de massacres, plus de crimes de masse ici. Mais je suis très heureux, comme je l'ai dit, de voir la jeunesse de ce tribunal-là, et de voir des gens compétents qui sont là, des avocats chevronnés. Ça, c'est un exemple qu'on donne. Ce que j'aurais souhaité, moi. Et je crois que la réalisation, le jour où j'ai appris que le procès va se tenir, j'ai fait un tweet. Vous pouvez le retrouver dans mes tweets. Mais à l'époque, ce n'était pas à moi de décider. Voilà, maître.